aujourd'hui, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la case number 2 du calendrier de l'Avent. Donc, nous sommes à J-. J-23 de Noël. Donc, c'est parti. On commence par le calendrier de l'Avent des animaux. Oui. C'est moi qui fais celui du chat. Bah, toi, tu fais le chat. Et puis, Quentin, donc, tu fais le. Le chien. C'est allez, c'est parti. Case numéro 2. Alors, c'est les chiens, et bah c'est un petit peu mieux celui-là que les croquettes. Celui-là, c'est Dina, parce que je reconnais la case. Bon, c'est pas grave, on va en ouvrir qu'un. De toute manière, on ouvrira l'autre parce qu'il y a un des deux chats qui est encore en train de dormir. En deux, il est laquelle? Dina. Voilà, donc on va ouvrir celui de Clochette. Et puis, de toute manière, c'est la même dans celui de Dina. Donc, bah, quand on peut ouvrir la case pour Wookie. Alors, ça. Ah, mais. Il est où Wookie d'ailleurs? Wookie, calendrier. Il arrive. Il arrive, Wookie. Ils sont durs à ouvrir. Hein. Est-ce que tu veux que je t'aligne? Oui. Oh, il a des petits toasts. Oh, Mais non, c'est des petits toasts. Oh, des petits toasts. On dirait les petits beurres. Tu peux les ouvrir si tu veux. Et moi, je vais essayer d'ouvrir la case d'Océane. Et on va appeler Wookie pour qu'il les mange. Bah, Wookie est déjà dans les parages, hein, je vous rassure. Wookie, c'est un gros, je crois que c'est le plus gros de la famille. Ça sent la pâte à modeler. C'est quoi? Je la vois pas. Ça sent la pâte à modeler. Ah ouais, ça sent trop bien. Case numéro 2. Maman, ça sent la pâte à modeler. Elle est ici. Je l'ai trouvée. Donc on y va. Ça sent la pâte à modeler, t'es sérieux? Oui. Voilà, elle est là. Donc c'est ça. Tiens, Loulou. Regarde, ça sent la pâte à modeler. Sens. Je vais vous montrer ce que c'est, mamie. Donc voici les petits gâteaux c'est de Wookie. Petits... Ça sent bon. Ouais, c'est voilà. Trop. Donc il y en a trois dedans, les c'est petits, ça. Les trucs qui sont durs là et qui se mangent là, comme ça. Donc on commence ici avec le chien, je crois. Et puis on va chercher les pochettes. Allez, on va chercher tout ça. Ça s'appelle déjà les petits trucs qui sont durs là alors, et qui sont. Tu vois qui sont croustillants. Des petits. Des petits bonbons pour chat, non en fait, ça. Et comment ça s'appelle? Je sais pas. Dis-moi dans les commentaires, les amis. Mais si, ça s'appelle. Des croutons. Des croutons. Oui, voilà. Ça ressemble à des croutons, ouais, c'est ça. Donc je vais chercher Clochette, qui est peut-être dans les parages, et puis ou si je trouve Dina, je sais pas. Et puis bah et le chien qui est en train d'aboyer. Vous pouvez entendre. Il est super pressé. Et puis on se retrouve tout de suite. Voici Clochette, j'ai trouvé que Clochette Dina est sortie. Elle est sortie dehors. Alors, donc on va voir si Clochette elle aime ou pas. Alors, est-ce qu'elle préfère celle-ci? Alors, celle d'hier, les friandises d'hier, les chats les ont mangées, tout compte fait. Là, elle le sent, mais non. Non, elle veut pas. Bon, tant pis. De toute manière, ils mangeront dans la journée. Et Rookie, bien sûr, qui attend. Donc, on va aller chercher. Ça, ça pue, ça. Voici ça le chien pour vous. Il est alors, lui. Alors lui par contre il aime tout. Ouais. Alors lui il est pressé. Okay. Doucement. Doucement, pas bouger. Doucement. Voilà. Bon lui au moins c'est fait. Alors est-ce que vous ouvrez votre calendrier d'avant? Oui, moi je vais commencer. Attends, tu as commencé toi? Non, c'est Quentin. Quentin? Bon. Il y en a plus, chien, il y en a plus. Il y en a plus. Il veut aller chercher dans ce déchat. Alors toi, c'est la case numéro 2. Alors elle est où? Fais voir. Elle est ici. Déjà, tu l'as trouvée? Non, Rookie, c'est pas pour alors, ça. Non, c'est pas pour toi, Rookie. Non, il va ouvrir. Je crois qu'on va enlever le chien parce qu'il est en train de mettre un sac, en fait, le karaté pour... le karaté, le canapé pour chercher les friandises. Viens, Rookie. Non, il veut pas venir. Allez, viens. Voilà, c'est fini. Moi, j'ai eu un casque. En fait, là j'ai un petit casque avec ça. Ou ça en fait, et c'est des petites informations accrochées au casque. Bah peut-être tu peux l'ouvrir, Loulou. Et il aura ça devant les yeux. Bah oui, ouvre ta case, ma louloute. Alors. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, des stickers. Waouh, t'adores les stickers, toi. Elles vont coller partout. Pas que des stickers. Un sapin à monter. Oh cool. Alors, moi, je te laisse monter ton sapin. Oui. Moi là j'ai un petit casque. Alors je vais montrer de plus près les amis. Voici le petit casque de Corentin.
Donc je pense que c'est un casque d'espion, voilà. C'est ça? Oui. Et c'est sur le thème des espions, toi. Voilà, petit casque. Et que là, tu vas pouvoir mettre à ton Playmobil. Ah, mais il y a quoi encore? Et c'est facile. Ah d'accord, il faut le monter. Et bah, ça, c'est les décorations, en fait. Ok, bah décor. Ah oui, d'accord, fais voir tes petites planches. Merci, Louloute. Donc voici ce que Océane a eu, donc un petit sapin à monter. J'irai le mettre là. Et puis là, une petite planche de stickers pour décorer le sapin. J'irai donc vas-y, tu peux décorer ton petit sapin. Et puis toi, bah, tu peux monter ton petit casque sur ton Playmobil peut-être. Ouais. D'abord, je vais mettre les petites... Je vais mettre on y est ou pas dedans? Et là, il a des petites informations. Alors, fais voir un peu. Et voici le casque monté sur le Playmobil. Bah, il est trop chouette. Franchement, il est trop chouette. Ah, mais il y a des petits trucs écrits dedans. Regardez, les amis. Il y a des petites informations. Ouais. Ah ouais, je suis en train de zoomer là pour voir. Oh, mais c'est chouette. Voilà comment il est derrière. Il est trop beau. Je sais pas si vous pouvez lire, mais moi, je peux rien lire. Hein. Je vois rien. Je pense que ce sont des petits trucs à la place des lettres. Il est trop chouette. Et toi, t'es en train de mettre tes décos, alors? Oui, je commence par les étoiles. Ok, bon, bah, je te laisse coller tes petites décos, puis on se retrouve juste après, alors. Oui. Bah, je pense en fait, ils ont fait des petits trucs de noir et des petits trucs de blanc, donc en fait, ça fait comme des laines, mais non. Ouais, bah oui, c'est écrit tellement petit que pour lire ça. Bon, bah, on se retrouve, bah, on fait une petite coupure, puis on se retrouve tout de suite après qu'Océane ait décoré son petit sapin de Noël. Les amis, j'ai trouvé Dina, donc la voici. Alors, est-ce que j'ai le vœu la friandise ou pas? Elle est là. Dina! Dina, tiens! Tiens! Dina! Regarde! Non! Bon, bah, toujours pas, tant pis! Bon, bah, du coup, je vais vous montrer le sapin d'Océane parce que Dina est pas plus coopérative que Clochette. Donc, oui. Fais voir, de toute manière, ça ira dans sa gamelle. Donc, fais voir ton petit sapin. Ouais, il est trop beau! Regardez! Elle a mis un petit nœud, une petite étoile derrière. Mais il fait super bien. Il est trop beau. Bon, ça fait un peu des ombres, hein, désolé. Mais il est trop mimi. Voilà, donc c'est un petit élément de décor. Alors les loulous, c'est la fin de ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous, ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve? Bon ben d'accord, ok, donc demain on se retrouve. Voilà, je pose même pas la question. Océane l'a dit elle-même. Nous on va vous laisser. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Si oui, regardez, lui fait des patins. Si vous avez un calendrier de l'Avent, bah, quelle surprise vous avez eu à l'intérieur. Nous on va vous laisser. Et bah écoutez les amis, si ça vous a plu, bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Mettre un petit pouce en haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. On attend un